Ah oui. Allez. Ah, vendredi c'est le riz. Et vendredi c'est surtout quoi? Le podcast des coulisses. Ah, on aurait pu faire un peu mieux quand même. Number 4. Bonjour Rémi Boulle. Mais bonjour Patabert, vous êtes beau. Oh, je vais vous dire bonjour Glandu. Et bonjour joli jeune homme. Hey, j'ai bien vu que tu me regardais avec une... un air coquin. Ouais, un point d'amour. Je ne peux pas. Je vais bientôt moi, je suis m'engager. Bien, je suis bien aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Hey. T'as le temps à aller. Et tu sais quoi? Te voir comme ça, moi, ça me rend happy. C'est énorme ce qu'on fait là. Génial. Messieurs, c'est bientôt l'été. Ah oui. On est bien. Ouais, c'est vrai. Le week-end s'annonce merveilleux. Glorieux. Ah, on a plein de choses qui nous attendent dans le podcast des coulisses, je crois. Hein. Ouais. Ah, on continue, du coup. Bah, je m'arrête pas. Hein. Quand on me dit pas de m'arrêter, je m'arrête pas. Hein. Il a une liste de musique. Il a 100 musiques avec le titre Happy dedans. Il a un dossier Happy sur son PC. Oui, je vous conseillerais de l'arrêter maintenant, sinon on va pas s'en sortir. Les gars. Voilà. Ouais, les gars, je suis peut-être le stagiaire de cette émission, mais je suis aussi la conscience professionnelle de cette émission. Ça, c'est la musique de mon père en plus. Hein. Ouais, les gars, honnêtement, on a des dossiers chauds sur la planche. C'est vrai. Ou du c'est pain, vrai. Du coup il faut y aller. Ouais, bon. Tu es peut-être le rabat-joie, mais tu mets pas toujours les mots dans le bon ordre. C'est ça. Je propose qu'on démarre direct le podcast. Allez, on est parti. C'est parti. Bon, la chaleur estivale est là. Hein, mmh. Donc on appelle ça plus communément l'été. L'été. Exactement, je t'ai vu lever la main. Patabert. Et qui dit été et qui dit Manu dans le 6-9 dit. Quitte l'été. Quitte l'été. J'ai l'impression d'être à l'école encore. Et alors, on est quand même le podcast des coulisses, donc pourquoi pas présenter en exclu mondial le kit de l'été Manu dans le 6-9. Ça vous dit ça? Allez, on y va, vas-y. On fait ça? Tu le présentes, Glandu? Carrément. Je l'ai pas, moi. Bah, tu veux le présenter comment du coup? Putain, il est au bureau. Ah non, j'ai oublié. Oui, je l'ai pas laissé. Oui, je l'ai laissé. Bah, voilà, il est au bureau. Bon, et bah, écoute. Punition. Défi. Voilà. Défi. Tu vas aller chercher en une minute. Les gars. Non, une minute pour aller chercher le kit de l'été. On resitue, on est au 6ème étage, tu dois aller au 4ème étage dans notre bureau. T'as une minute. Une minute, c'est rien, une minute. Pas une de plus. Attends, je me filme comme ça, je prouve que je. Okay, voilà, exactement. Exactement. Comme ça, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a rien, t'as une minute. Bon, allez. On y va. 3, 2, 1, chrono. Top qui de l'été. Oui, il est parti. On est bien entre nous. Ah, ça fait du bien. J'ai un peu le chrono, je garde sous les yeux, je vais faire un point. Là, on est à 8 secondes. Ok, super. D'ailleurs, kit de l'été, alors il n'y en a pas beaucoup qui l'ont encore eu, ouais. Mais il y en a une personne dans l'équipe qui, je crois, a eu en tout cas un des objets en avant-première. Ouais. Je propose qu'on écoute parce que je sais que Manu, cette semaine, il avait fait des sondages. Oriane nous a révélé un truc de dingue, écoutez. 73% des femmes en ont tout le temps dans leur sac à main. Et je peux vous dire qu'Oriane, elle en est blindée, quoi. Ah bah. De. Oh, préservatif. Non. Préservatif, on a dit non, mais t'en as plein là, des préservatifs dans ton sac? Non, j'en ai un. J'ai celui de Manu dans le 6-9 d'ailleurs. Ouais. Ah bah voilà. Tu vois? L'aveu. Préservatif, c'est ça. Voilà. En tout cas, voilà, une qui profite déjà de son kit de l'été et de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Pour faire un petit point, il reste 15 secondes pour Glandu, pour qu'il revienne là. Ouais, là j'y crois pas trop. Ah, il reviendra pas, c'est bon, il a gagné. Je crois qu'il reviendra plus du tout. Surtout, il a dit, c'est bon le podcast, je reviens plus. Bon, voilà. Déjà, on apprend qu'il y a des préservatifs dans ce fameux pack de l'été, Manu, dans le 6-9. Voilà, on apprend aussi que Glandu oublie pour les objets présentés. Ah, le voilà. Alors, attendez, je fais un point. 58 secondes. Oh là là, 58 secondes. Parfait. Ça, je l'ai fait. Moins d'une minute. Il l'a fait, moins d'une minute. Oh là, Rémi Boulle, il y croit pas. Regarde, je vois sa mine, il est comme ça. Je suis choqué, là, j'avoue que. Bon, il faut dire qu'il y a un escalator secret. Non, en plus, vous verrez sur la vidéo. Ouais. J'ai pris les escaliers, mais je suis mort. Bien fait. Génial. Alors, maintenant que t'as réparé ton erreur et que t'as réussi ton défi, il est là. On découvre ce pack de l'été ? Allez, on le découvre. Allez. Et on commence ce kit de l'été par les indispensables de l'été, les tongs pour laisser, non mais c'est vrai, on dirait le téléachat. Je dirais Pierre Belmar. Pour laisser votre empreinte aux couleurs de Manu dans le 6-9. Magnifique. Et ensuite, quand vous êtes avec vos tongs, c'est que vous êtes souvent à la plage. Et à la plage, il faut bien se sécher. Voici, oh superbe, plage, voilà, une serviette que je présente très mal. Manu dans le 6-9, voilà, avec le logo floqué. Manu dans le 6-9. Magnifique. Magnifique. Et ce n'est pas tout pour vous, j'ai aussi plein de choses. Oui, comme j'ai le t-shirt. Le t-shirt pour femme, elle est dans le 6-9. Évidemment. Ah, attendez, vous avez dit t-shirt? Je le dis t-shirt. Ah, attendez. Avec une phrase homme et une phrase femme. Pour les femmes, regarde où tu marches au lieu de regarder mes fesses. Et pour les hommes, je peux pas, j'ai Manu dans le 6-9. Non, mais ils sont trop cool. C'est tendant. Ils sont géniaux. Trop cool. Donc, regarde, je mets là comme ça. Voilà, écoutez, super. À la plage, souvent, vous savez, qui dit plage dit soleil, dit petite soif. Et qui dit petite soif, attention, sous vos yeux ébahis. Oui. Oula. Le mug. Manu dans le 6-9. Et le mug, quoi d'autre? What else? Ah, ça, what else, référence à Georges Clooney. Et on a ces petites capsules de café. Et attendez, qui dit mug dit boisson à l'intérieur? Oh oui. Qui dit boisson dit soirée arrosée? Et dit
peut-être fin coquine. Allez. Et c'est pour ça que j'ai cette capote. Manu dans le 6-9. Celle-là même qui était dans le sac d'Oriane. Je vais aller la récupérer. Et je vous souhaite avec celle-là des soirées endiablées. Et pour des bonnes soirées, j'ai aussi la solution. Pourquoi pas un petit poker des habilleurs. Donc ça c'est sûrement si vous n'êtes pas servi de la capote du coup. Ou avant de s'en servir. Poker des habilleurs. Oui. Street poker. Allez. Street poker. Le jeu de cartes Manu dans le 6-9 aux couleurs de Manu dans le 6-9. Il y a des jokers dans le jeu de cartes? Évidemment, jeu 56 cartes, joker inclus, règle du jeu, évidemment, en Suisse. Il nous reste quoi d'autre? Il nous reste la bouée, la fameuse bouée. On est flemmard, on l'a pas gonflé, c'est bien. Il va la gonfler. Il a du souffle. Je l'ai déjà fait, ça prend 10 minutes, je crois, à gonfler. Bah, donc, c'est pas grave, il le fait. En même temps, j'ai un souffle de moineau. Bon, oui. Pendant qu'il la gonfle, on peut se dire au revoir. Non, on va pas se dire au revoir pendant qu'il la gonfle. N'importe quoi. Oh là 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 là. On va finir. Oh là là. Ok. Bon, je crois qu'on va dire au revoir. On va dire au revoir du coup sans. Sans Ready Bull. Oh là là, et ça se gonfle hein. Bon, écoutez, pendant que Ready Bull gonfle la bouée, on voulait vous remercier d'avoir suivi ce podcast. Et de votre fidélité. De votre fidélité. De vos commentaires. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est bon, Ready Bull, ça suffit. Une question dans le kit de l'été. Est-ce qu'il ne manquerait pas. Ah, j'ai la tête du tour, mec. T'es tout rouge. Dans le kit de l'été. Ah putain. Il y a tout plein de choses. Mais. Si, par exemple, je vous invite chez moi, j'ai un petit jardin. Ouais. Il fait beau, j'ai envie de manger. Et il manque pas un truc dans le kit de l'été. Ah, ah ouais, je sais. Je vois, il va venir, je vois, il va venir. C'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est pour dire au revoir. Barbecue, oui. Chorizo, chorizo, barbecue. Il manque un barbecue, okay. C'est ça, okay. Tu veux nous faire dire. Oui. Ouais, ok. Je veux dire. Exactement. Alors, oui, on se le fait comme ça. Allez. Dans le kit de l'été, il manque pas quelque chose pour faire à manger? Si, 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 il manque quelque chose. Il manquerait pas chorizo. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30 sur Énergie.